Salut famille, Adama en live avec Izike. Je vous assure, les présentations vont vous étonner. Adama qui fait des lives depuis déjà 2021 et ces lives traitent souvent des sujets de femmes. Il y a des gens qui montent, des femmes qui montent et tout. Bon, bref, je vous assure que pour lui, peut-être il est sur les réseaux il y a longtemps, mais l'année où son invité a démarré sur les réseaux sociaux va vous étonner, famille. Ah, c'est pas de l'amusement, vous allez voir la vidéo que je vous ai réservée. Ils se sont présentés et voilà, Adama dit ce qu'il fait sur les réseaux. Et également, Izike a pris la parole et a parlé, et c'est là que vous serez choqués. Comme je viens de le dire, Adama est un influenceur malien qui fait des lives sur TikTok. Et sur ces lives, il invite des gens qui draguent peut-être des femmes qui viennent. Et souvent, ce sont des femmes qui ne sont pas en Afrique. Et voilà, avant de continuer, est-ce que vous connaissez Koda? Voilà, si vous connaissez Koda, vous allez certainement connaître également Adama parce que les deux font quasiment le même contenu. On peut dire le même ou quasiment le même. En tout cas, famille, vous le savez. Et famille, je ne vais pas trop durer sur le suspense. Voici la vidéo, vous allez regarder la vidéo, je vous assure. La manière dont Izike donne la force à ses fans, donne la force à ses abonnés, va vous étonner. Je vous assure, pour lui-même là, c'est que c'est lui qui est le fan de ses abonnés. Car pour lui, ce sont ses abonnés qui l'ont fait. Ce sont ses abonnés qui l'ont donné la force. Donc lui dit que c'est lui-même qui est le fan de ses abonnés. Famille, nous allons regarder rapidement la vidéo et après, nous allons revenir pour certaines précisions. On regarde la vidéo. Mais tu fais quoi comme contenu? Parce que les gens me disent que t'es connu, je sais pas quoi. Comme quoi? Tu fais quoi comme contenu? Ah, je fais quoi comme contenu quoi? Ouais. Bah moi, j'ai fait combat sur les réseaux. D'accord. Quoi comme combat? Combat des femmes. Hein? Je fais combat des femmes. Donc, tu les gâtes les quoi dans une chambre entre quatre coins de mur, c'est ça? Non. Oh, je suis là pour dire la vérité aux femmes. Ah, donc tu détruis les femmes? Non, pas pour détruire. Pour dire la vérité. C'est la vérité. Ça ouvre les yeux, mais ça casse pas quoi. D'accord. D'accord. Voilà, c'est ça que mon but sur le TikTok. Donc tu les termines fort quoi. Exactement, t'as capté. Pour les filles qui vivent en Europe, pour dire qu'il faut se marier. Ah d'accord. Pour les filles qui vivent en Europe. D'accord. Ah, tu fais beaucoup de live comme ça. C'est pour ça qu'il y a 1000 personnes dans ton live. Non mais moi j'ai fait ça, ça fait des années. J'ai commencé ça à 2021. Quand même. T'es sur TikTok quand même. Ah ouais, ça fait longtemps, man. Non, bien, bien. Moi, je suis sur les réseaux depuis 2009. Compte. Depuis 2009? Ah ouais. Non, toi, t'es... Laisse tomber, je suis comme un ouf. Je suis fan de mes abonnés. C'est un truc de ouf, frérot. C'est eux. Ouais, non. C'est eux qui m'ont donné la force. C'est eux qui m'ont donné la force. C'est eux qui m'ont donné le power. C'est eux qui m'ont donné la motivation. C'est eux qui m'ont donné la détermination. C'est eux qui m'ont donné le power. C'est eux qui m'ont donné la puissance. C'est eux qui m'ont donné. Ah, vraiment, Seigneur. Alors famille, vous venez de l'entendre, il a dit qu'il est sur les réseaux depuis 2009. C'est-à-dire qu'il était sur les réseaux avant Snapchat, avant TikTok, parce que Snapchat et TikTok sont venus en 2016 et WhatsApp en 2009. Donc il était sur les réseaux la même année que WhatsApp a été créé. Ah famille, ça c'est vraiment un ancien. Donc comme Adama vient de l'expliquer, lui ses contenus c'est pour amener les femmes à se marier. C'est-à-dire les femmes qui n'aiment plus le mariage, il les amène à se marier, à se mettre en couple. Et famille, mettez en commentaire si vous êtes d'accord pour ça. Et aussi mettez en commentaire l'année où vous avez connu les réseaux sociaux. On peut voir les anciens ici. Famille, n'oubliez pas de t'abonner. On est ensemble.